Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce que Rockstar nous a annoncé pour la version next-gen et PC de GTA V. En gros, la version next-gen va sortir le 18 novembre 2014 et la version PC sortira le 27 janvier 2015. En gros, ce qu'il y aura de nouveau, les graphismes seront nettement meilleurs. On aura un jeu en 1080p et la distance d'affichage qui sera améliorée. Sinon, il y aura des nouvelles armes, des nouveaux véhicules et des nouvelles activités. Il y aura plus d'animaux et un trafic plus dense, mais aussi un nouveau système de feuillage, c'est-à-dire qu'il y aura plus de hautes herbes, une nature améliorée, et la gestion de dégâts et de la météo seront améliorées. Il y aura des nouvelles chansons sur les différentes radios et nous aurons, pour ceux qui vont précommander le jeu, 500$ à dépenser en solo et en online. Il y aura aussi pour les versions old-gen des nouveaux véhicules comme la Duck, il y aura un hydravion dodo et un dirigeable plus rapide et facile à piloter. Ceux qui vont être sur next-gen auront droit à un online à 30 joueurs. Et ça, c'est juste génial. On attendait vraiment ça de la part de Rockstar. Et d'après Rockstar, il y aura encore d'autres nouveautés. Bon, franchement, je trouve que Rockstar vous a sorti un bon jeu. En tout cas, ceux qui veulent l'acheter sur next-gen, qui vont déjà sur old-gen, je vous conseille d'attendre la sortie du jeu et de voir les premières impressions pour l'acheter, parce que racheter un jeu juste pour ces raisons-là, je trouve que c'est pas si bien que ça. Faut voir si les graphismes sont vraiment meilleurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous. Allez, et à plus.